Alors, pour la partie de je m'évalue, on nous demande de réécrire les phrases en remplaçant le complément d'objet direct par un pronom. Mais comment faire? Je vous donne la solution. L'école joue parfaitement son rôle. On dit, l'école joue parfaitement quoi exactement? Parce qu'on pose toujours la question quoi pour le complément d'objet direct. Alors l'école joue parfaitement son rôle. Le rôle, c'est masculin. On dit l'école. De cette façon, il faut écrire. Et de cette façon que vous devez apprendre et comprendre la leçon. Alors, l'école. Joue parfaitement son rôle. Le complément d'objet direct se trouve ici. Alors pour le remplacer, il faut mettre le pronom personnel, le complément d'objet direct, avant le verbe. L'école joue parfaitement son rôle. L'école le joue parfaitement. Je m'excuse. Et on met à la fin un point. Voilà. L'école le joue parfaitement. Il manque bien sûr un. On doit mettre. Il y a pas mal de. Un. Ça revient. Voilà, parfaitement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a réécrit cette phrase en remplaçant le complément d'objet direct par un pronom. C'est la même chose pour B et C. On va faire. Mais vite fait, le délégué montre l'exemple par une attitude positive. On dit le délégué le montre un exemple. C'est féminin, c'est masculin. Le montre par une attitude positive. Et à la fin, on doit mettre un point. Toujours, lorsqu'on parle d'une phrase déclarative, c'est-à-dire une phrase qui commence par un majuscule, se termine par un point et donne une information, toujours, on prend cette considération que les pronoms personnels complément d'objet direct se trouvent avant le verbe. L'école joue parfaitement son rôle. L'école le joue parfaitement. Le joue parfaitement. Le délégué montre l'exemple par une attitude positive. Le délégué le montre par une attitude positive. Tous les élèves disent la vérité. On dit tous les élèves la disent. Tout simplement. Maintenant, ce sera donc facile de répondre à n'importe quel exercice. De cette façon, vous allez comprendre la leçon mieux que l'explication normale, traditionnelle. C'est à partir de la correction des exercices et à partir des exercices, vous allez comprendre la leçon de quoi il s'agit. Tous les élèves la disent parfaitement ou la disent la vérité. Je m'excuse.
Alors, c'est la même chose pour 2. Voilà, on va faire la correction numéro 2, mais il s'agit ici d'un complément d'objet indirect. Pour tout de suite, pour cette deuxième activité d'évaluation, qu'est-ce que nous demande ? Recopie les phrases en remplaçant le complément d'objet indirect par un pronom. Il ne s'agit pas de complément d'objet direct, mais indirect. C'est-à-dire qu'il est lié directement avec le verbe par une préposition comme « à » ou « de », etc. Normalement, les prépositions les plus fréquentes, c'est « à » ou « de ». Il faut montrer l'exemple « à ton ami », « à ton ami ». Voilà, je vois « à » avec accent sur une préposition qui vient avant complément d'objet. On dit complément d'objet indirect. Il faut montrer l'exemple à qui ou à quoi, de qui ou de quoi. D'accord? Il faut montrer l'exemple à ton ami. Mais il faut choisir un bon pronom personnel. C'est ça l'objectif de cette vidéo. Il faut choisir un bon pronom personnel. Parce que vous n'arrivez pas à choisir un bon pronom personnel à chaque situation. C'est ça le problème. Et c'est un problème maintenant résolu. Il faut tout simplement suivre la vidéo jusqu'à la fin et vous allez tout comprendre. Il faut montrer l'exemple à ton ami. À qui ? À ton ami. Voilà, complément de vie indirect. Mais quel est donc le pronom personnel que je dois remplacer et mettre avant le verbe, puisqu'il s'agit d'une phrase normalement déclarative. Je vous donne un exemple. Alors, il faut, on sait déjà que il faut, c'est une sorte de modalité d'obligation. Il faut quoi? Il faut montrer. Alors, on écrit, il faut montrer l'exemple à ton ami, il lui faut. Il lui faut montrer. Non, c'est pas juste. Parce que le verbe montrer a besoin d'un complément. C'est pas la modalité faut. Il faut, c'est une sorte de tournure ou d'expression impersonnelle. Il faut quoi? Il faut montrer. Il faut lui montrer. Voilà la bonne réponse. Pourquoi? Parce qu'on dit montrer à ton ami. C'est pas faux. Faux, il faut, c'est une tournure, c'est une expression impersonnelle qui exprime une obligation. D'accord? Voilà. On dit il faut lui montrer. On ne dit pas il lui faut montrer. Il faut lui montrer. Exemple. J'espère que vous avez bien compris maintenant. Le rôle de il faut, c'est une sorte d'obligation. C'est une expression d'obligation, c'est rien à voir avec le verbe complément. Et montrer, oui, on sait déjà que montrer c'est un verbe à l'infinitif, mais elle a besoin d'un complément d'objet. Mais quel genre de complément d'objet? Complément d'objet indirect. On ne dit pas il faut montrer ton ami. Non, il faut montrer l'exemple à ton ami. On cherche le complément d'objet indirect maintenant. Et le pronom personnel que je dois remplacer, c'est lui, puisque c'est masculin. Lui, c'est ton ami, c'est un complément d'objet indirect d'une personne, soit masculin, soit féminin. Donc, c'est rien à voir. C'est pas quelque chose qui est difficile. Il faut vous montrer l'exemple. Le chef de l'association transmet un message à tous les membres. Voilà, à tous les membres. C'est pluriel. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, on va chercher, bien sûr, le pronom personnel qui veut dire pluriel. On va mettre avant le verbe. On écrit d'abord le sujet, le chef. Le chef de quoi? Le chef de l'association. On joue toujours avec
Le complément du nom, le nom, son complément du nom. Voilà, c'est un groupe nominal. C'est rien à voir avec les autres. Voilà. Transmet un message à tous les membres. Voilà. On va tout simplement compléter la phrase jusqu'à la fin. Transmet un message à qui? À tous les membres. À tous les membres, c'est le complément d'objet indirect. Je remplace par leur. Pourquoi leur? C'est le pluriel. C'est facile. Tous les membres. On sait que c'est troisième personne. Voilà leur. Le chef de l'association leur transmet un message. N'oublie pas d'écrire un message. C'est pas un complément d'objet indirect, mais direct. Alors, le chef de l'association leur transmet. Leur transmet un message. Voilà, c'est ça la bonne réponse. Voilà, c'est ça l'évaluation. C'est comment manipuler, ça veut dire comment choisir les bons pronoms personnels, soit direct, soit indirect, et comment le manipuler dans la phrase. C'est comment le mettre en place dans la phrase. Ça dépend de la situation. Lorsque vous arrivez à bon choisir, à bien choisir, pardon, les pronoms personnels complément, soit direct, soit indirect, et bien manipuler, bien placer dans la phrase, c'est formidable. Quelque chose qui est excellent. Alors, pour chercher de l'excellence, suivez la vidéo jusqu'à la fin. On fait maintenant la partie de l'entraînement pour que vous soyez capable de répondre à n'importe quelle question lorsqu'il s'agit de complément, la pronominalisation, surtout d'un complément d'objet, et aussi savoir quels sont donc les pronoms compléments d'objet qui existent, les pronoms compléments d'objet qui existent. Suivre la vidéo jusqu'à la fin avec vous, monsieur, qui vous explique maintenant la leçon de grammaire pour des élèves de 6e année primaire. Bonjour tout le monde. Alors on passe maintenant où je m'entraîne. On sait déjà que je m'entraîne, c'est avant, logiquement, c'est avant évaluation. Je m'entraîne sur quoi? Sur la règle de leçon pour maîtriser le cours. Dans chaque phrase, on remplace les mots soulignés par le pronom qui convient. Les mots soulignés, c'est leur délégué aux élèves. L'examen de fin d'année, ma sœur. Il y a complément d'objet direct, il y a complément d'objet indirect. C'est-à-dire, avant de faire cette leçon, il faut maîtriser bien sûr la leçon de. Des compléments d'objets. Il faut bien les distinguer. Normalement, cette leçon de la comment distinguer le complément d'objet direct et indirect, bien avant cette leçon. Bon, on sait déjà que vous avez bien maîtrisé la leçon de complément d'objet direct et indirect. On passe maintenant aux exercices. Les élèves ont écouté leur délégué. Les élèves ont écouté qui? Leur délégué. Alors, je remplace le délégué par un pronom personnel convenable. Par exemple, on dit les élèves. Voilà. Voilà, les élèves. On écoutait, c'est le verbe. On sait déjà que le pronom personnel avant le verbe, puisque c'est une phrase déclarative. Et leur délégué, c'est pas pleurer, c'est singulier. Alors, on remplace par le, puisqu'il y a. En, l'auxiliaire, être, avoir, on dit les élèves l'ont écouté. Voilà. C'est masculin, je ne dois pas mettre l'accord. Parce qu'il s'agit ici de féminin, je dois mettre l'accord dans participe passé. Bon, on dit les élèves l'ont écouté, tout ça. C'est bien. On passe à autre chose. Le directeur parle aux élèves. Alors, O, c'est un article contracté. Qu'est-ce que ça veut dire un article contracté? Ça veut dire A plus les. Au lieu de dire le directeur parle à les élèves, on dit aux élèves. C'est contracté. Voilà. Il y a préposition avec l'article contracté.
Tout est soudé, on dit. Dans le jargon mécanique là. Bon, on dit le délecteur. On cherche un peu. Aux élèves, c'est pluriel. Alors, pas de problème. Leur parle. Voilà. Il y a une différence entre leur ici. Leur ici, c'est l'adjectif possessif. Et leur ici, c'est pronom personnel. C'est un pronom personnel complément d'objet indirect. La différence que leur devant un verbe, c'est un pronom personnel complément d'objet indirect. Et leur devant un nom, c'est un déterminant ou un adjectif possessif. Voilà. C'est un cours d'orthographe. Le directeur leur parle. Tout simplement. Il parle de l'examen de fin d'année. Là, c'est un peu difficile par la plupart des élèves. On sait déjà que l'examen de fin d'année, c'est quelque chose qui n'est pas personnel. L'examen de fin d'année, c'est pas une personne. C'est pas comme délégué ou élève, homme, femme, enfant. Non. C'est rien à voir. C'est une chose. On met un complément d'objet indirect et suivi par deux. Voilà. Tout est mélangé maintenant. Oh, mais comment choisir le bon pronom personnel? Parce que c'est un peu difficile. On sait déjà que l'examen de fin d'année, ce n'est pas une personne, c'est une chose. C'est une chose inconcrète. Bon, c'est une chose. Pour ne pas mettre un peu de difficulté pour la compréhension de la plupart des élèves. Bon. Et suivi par une préposition de. Elle parle de quoi? Elle parle de l'examen de fin d'année. C'est un complément d'objet indirect. Alors, tout simplement, vite fait, c'est en. Voilà. C'est ça. Sans réfléchir. Sans moindre réflexion. Sans moindre réflexion. Oh, directement. Lorsque vous voyez 2 plus un nom d'un objet, on met un complément d'objet indirect, vite fait, choisis on. Je vous donne cette astuce-là. Il ne faut pas réfléchir. Il y a des choses, il y a des moments qu'il ne faut pas réfléchir. C'est automatique. Quelque chose qui est mécanique. Je vois un nom d'un objet. L'examen de fin d'année et suivez pas avec deux. En même temps, c'est un complément d'objet indirect. Sans réfléchir, je dois choisir. Voilà. Mais ma soeur, non. Ma soeur, c'est une personne. Ah, et suivez par A. Maman achète à ma soeur la poupée qu'elle veut. Alors on dit maman lui achète. Tout simplement. Lui achète. Lui, c'est pour le masculin, féminin en même temps. Puisque c'est un objet. Ah, pardon. Puisque c'est un complément d'objet indirect. On dit maman achète à qui? À ma soeur. Quoi? La poupée qu'elle voulait. Voilà. Lui achète. Lui achète, c'est-à-dire la poupée. Etc. Pour la suite de la phrase sans changement. Alors, vous voyez la différence entre un objet et une personne? Hein? C'est pour les objets. Et lui, c'est pour les personnes, normal. Et deuxième activité, il faut souligner le complément d'objet indirect dans chacune des phrases suivantes, puis remplacer le par un pronom et réécrire la phrase. D'accord? Alors, je prends la règle et je souligne le complément d'objet indirect en lisant, bien sûr. Les enfants parlent à leur grand-mère. Leur grand-mère. Je ne souligne pas la préposition. La préposition, je ne souligne pas. Et je veux tout simplement le rôle de liaison entre le verbe et le complément. Le délégué des aux élèves. Voilà.
Karim s'adresse à son ami, voilà, regarde ses photos et elle apparaît à des amis africains, voilà. Le directeur prescrit ses médicaments à ses patients, voilà. Alors, je viens maintenant de souligner les compléments d'objets indirects. Maintenant, il faut réécrire la phrase en remplaçant par un pronom convenable. Voilà, je prends mon stylo. Je prends mon temps pour réfléchir. Et en même temps, j'écris, par exemple, ici, les enfants. Automatiquement, les pronoms viennent avant le verbe. Leur grand-mère, c'est lui. Voilà, d'abord, la grand-mère, c'est lui. Les enfants lui parlent. Les délégués disent aux élèves d'arriver à l'heure. On dit le délégué leur dit. Voilà. Lorsque vous maîtrisez quelque chose, ce sera donc facile. Ce sera donc facile. Il faut comprendre tout simplement comment faire. Voilà. Les élèves leur dire. Voilà. Leur dit. Pardon. Leur dit. À la suite de la phrase, sans changement, il leur dit d'arriver à l'heure. Voilà. Karim s'adresse à son ami. Karim lui s'adresse. Voilà. Lui. Alors, on joue toujours avec lui, leur. C'est plus fréquent que les autres. Alors, s'adresse. Pourquoi lui? Parce que c'est masculin, on fait les pleurs, c'est lui. Lorsque il s'agit de pleurs, choisir l'heure. C'est facile. Regarde ces photos, elles apparaissent à des amis africains. Elles appartiennent, pardon, regarde ces photos, elles appartiennent à des amis africains. On dit elles leur appartiennent. Elles leur appartiennent. Leur sans S. C'est invariable. Le docteur prescrit ses médicaments à ses patients. À ses patients, c'est leur, toujours. Alors, le directeur. Le docteur, pardon. leur prescrit. Leur prescrit, voilà, leur prescrit, etc. Changement, bien sûr, la suite de la phrase. Voilà, vous voyez que c'est plus fréquent, c'est lui, leur, pour le complément d'objet indirect. Rarement qu'on doit mettre, par exemple, en Y, rarement. Bon, il faut maîtriser cela seulement. Et aussi les compléments d'objet direct, soit le, soit la, soit les. C'est plus fréquent. Ce sont les pronoms personnels en complément d'objet direct plus fréquents. Mais lorsqu'il s'agit d'une phrase déclarative, il faut mettre toujours les pronoms avant le verbe. Voilà. Il reste maintenant la lecture de je retiens. Et en même temps, savoir qui sont les pronoms personnels en général. Tout de suite. Alors, prenez la page 48 de votre manuel Mes apprentissages en français de 6e année primaire. Page 48. Je retiens. Vous avez donc la leçon de grammaire, la pronominisation, les compléments du verbe COD ou COI. Bon. Les pronoms personnels compléments d'objet direct, COD, remplacent des noms ou groupes nominal, complément d'objet direct. Ils répondent à la question qui ou quoi, bien sûr, après le verbe. Les pronoms personnels complément d'objet indirect, COI, remplacent des noms ou groupes nominal, COI,
après des verbes, construits avec une préposition, normalement soit à, soit de, c'est les plus fréquentes. Elles répondent aux questions à qui, à quoi, de qui et de quoi. Qui pour les personnes et quoi pour les objets. Le, la, les, elle apostrophe. On commence par les fameux compléments d'objet direct, les pronoms compléments d'objet direct. Le, la, les, elle apostrophe. Ce ne sont pas des articles définis. Non, non, non. Ce sont des pronoms personnels compléments d'objet direct. C'est avant le verbe. Remplace des noms désignent des choses ou des personnes. Et sont toujours compléments d'objet direct. Je le connais, qui, ce garçon, je la mange, quoi, cette pomme. C'est facile. Lui et leur remplacent des noms désignés des personnes et sont toujours compléments d'objets indirects. Des personnes là, je lui parle, à qui, à lui ou à elle, c'est-à-dire ça dépend du genre, masculin ou féminin, je leur parle, à qui, ou à eux, ou à elle. D'accord? Me et te et nous et vous, ce sont aussi des pronoms personnels, compléments, remplacent des noms désignés seulement des personnes. Ils peuvent être soit compléments d'objet direct ou compléments d'objet indirect. Normalement, me, te, nous et vous, ils sont plus utilisés dans le discours. Ouais, dans un dialogue, par exemple, lorsque je parle, je dois mettre soit me, soit nous. Moi qui parle, c'est me. Nous qui parlons, c'est nous. Je te parle, toi, j'utilise te. Je parle à vous, vous. C'est ça ce qu'on appelle le discours. Je vous aide. Je vous aide. Qui? Vous, vous. Oui, vous. Tu me rends service. Qui? Tu me rends service. C'est toi. C'est toi qui me rends service. Et me, c'est moi. Tu me rends service à moi. Vous voyez? En Y. Ah, c'est un cas difficile. Remplace des noms désignés de choses. Mais pourquoi à la fin? Parce que c'est un peu difficile. Pourquoi ils ont mis à la fin? Parce qu'ils ont mis à la fin parce que c'est un peu difficile pour vous. Mais normalement, il faut maîtriser ça. Il faut maîtriser le, là, l'apostrophe, le, leur, le, te, nous, vous. Il faut savoir qu'il existe, par exemple, lui et leur, c'est pour des personnes. D'accord? Et le, et là, les, à la pensée, soit des personnes ou des objets. Me et te et nous, vous, uniquement pour des personnes. Mais en Y, c'est-à-dire, je retiens dit, il remplace seulement des noms, des énigmes ou des choses. Eh, c'est un peu difficile. D'accord. Voilà. Voilà. Le, la, les. Et elle apostrophe. Remplace toujours des noms des d'objets, des noms qui désignent les objets ou les personnes. Lui et leur. Remplace toujours les noms qui désignent des personnes en complément d'objet indirect. Et me et te et nous et vous, ça dépend, soit complément d'objet direct ou indirect, ça dépend. Lorsqu'il y a la préposition à moi, à toi, à nous, à vous, c'est indirect. De moi, de toi, de nous, de vous. C'est indirect. Moi, toi, nous et vous, c'est direct. Surtout en Y, ah, ça dépend. Peut-être, par exemple, on désigne, remplace toujours des noms des choses. On peut jouer de rôle, soit complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. Y, non. Je joue le rôle de complément d'objet indirect seulement. Voilà. C'est tout pour le moment. J'espère que vous avez bien compris. Le, la, les, elle apostrophe désigne des choses et des objets, mais complément d'objet direct.
D'accord? Voilà. Lui et leur se désignent toujours des personnes, complément d'objet indirect. Lui, c'est masculin, leur, lui, c'est singulier, leur, c'est pluriel. Pour le discours, on utilise fréquemment me et te, nous et vous, pour désigner des personnes. Ça dépend. Peut-être complément d'objet direct, moi, toi, nous et vous. Peut-être indirect, à moi, à toi, de moi, de toi, de nous, de vous, à nous, à vous, etc., etc., etc. Mais pour en Y, on dit en Y, ça veut dire I. Là, il faut, voilà, il faut mettre un point. En Y, désigne toujours des noms d'objets. Non, non, non. Ne disent pas des noms de choses, de personnes. Non. Des noms d'objets. Mais pour on peut jouer deux rôles, soit complément d'objet direct ou indirect. Pour Y, toujours des noms d'objets, complément d'objet indirect. Il faut mettre ça dans la tête. Au revoir. Et à très bientôt.